Hello mes petites choucroutes! Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo comme ça. Ouh. On voit, je suis fatigué, hein. Ouais, on voit bien que je suis claqué. Petite vidéo parce que je suis pas très actif sur mon compte. Bon, hein, de toute façon, ça va pas grand-chose, ça. Bah, c'est pas grave, hein, je suis fatigué. Juste pour vous montrer un petit peu, un petit quotidien aujourd'hui. Bon. Juste avant d'aller faire dodo, hein, il est quand même minuit bientôt. On est lundi, demain je travaille. Tranquille. Boum boum, ouais, la dernière vidéo que j'ai postée, c'était la petite présentation là avec le générique de. Ah. Le Rebelle, bah oui. Série mythique, hein, des années 90, 90 pour les Français. C'était un petit kiff, j'avais envie de me faire un petit kiff. Bon, voilà quoi, je suis pas Hollywood, c'est pas Hollywood, mais voilà quoi. aujourd'hui, ouais, je tourne en rond, hein, je suis fatigué, je fais ça à l'impro, je me suis dit, allez, j'arrête YouTube. Ah, YouTube, j'arrête. Je regardais YouTube là, puis toute la journée. Ils sont chouettes mes journées, surtout quand je suis en congé. Et je me dis, faire une petite vidéo, posée, au calme, à l'ancienne quoi. Je vais vous montrer un peu ma shadow. Ah, un minimum. Putain, j'ai mal ce putain de bras, bordel. Elle est finie à 100%, pour moi. Elle est finie à 100%. Il y a juste 3 points à revoir. La peinture est médiocre. M'en fous. Franchement, parce que j'ai un ami à laquelle on a refait la moto, la même moto. À part que lui, on lui a fait en bobber. JP, si tu passes par là. Quand je l'ai vu avec une peinture toute brillante, nickel, je me dis, mec, ta bécane, elle est de 99,99 pour vous les Français. Mais non, je la sors plus. Oh, moustique. Putain, t'es mort, moustique. Voilà. Ah, plus moustique. Donc, je disais, la bécane, elle est à 20, 22 ans. Ouais, elle va avoir 22 ans le 27 juillet. Ici, je sais même plus, je crois qu'on est le 18, il me semble. Ah oui. Je vous explique plus tard. Je crois que la vidéo, elle va durer 20 minutes, 20 bonnes minutes. Donc, prenez du popcorn et buvez un soda, si vous voulez. C'est jamais bon pour la ligne. je m'égare, je m'égare, je m'égare, je m'égare. Oui, vous allez avoir la gerbe, hein, je vous préviens. Donc, la peinture, ben, j'ai dit, bon, à l'arrache. Bon, ben, depuis, j'ai roulé avec. Depuis, j'ai fait 2379 km depuis que je l'ai remis sur la route. Depuis février. C'est pas beaucoup, hein. D'habitude, c'est ce que je fais en 2 mois, ça. Hein. Encore, 1 mois, allez. Avec le temps, plus envie de rouler. Avec la pluie, la pluie, la pluie, non, ça me sèche. J'ai une voiture, mais non, c'est bon. Ouais. Voilà, donc il y a 3 points. La peinture, que j'ai fait à la bombe. Bon, franchement, je me suis pas trop mal débrouillé. Bah, il y a certains endroits, bon, putain, je vais me casser la gueule, parce que c'est un vrai bordel ce garage. Franchement, allez, quand tu la mets en plein soleil, ouais, là, tu dis, là, t'aurais mieux fait. Mais, comment dire, j'ai fait cette peinture avant de trouver une bonne technique de mise en peinture. Ouais, parce que j'ai fait d'autres projets entre-temps et je me suis aperçu sur une voiture que, ah, j'ai trouvé une technique. À la bombe, bien sûr. Bombe, vernis, tout ce qui va avec. Mais, propre, bon, ça, je ne l'ai pas filmé. Ça ne me sert strictement à rien. Donc là, ben, le point à refaire, la peinture, mais voilà. Je la trouve bien dans son ensemble. Souvenez-vous, elle était bleue avant, donc voilà. Bon, la peinture des pots d'échappement ne tient pas. Ça, j'ai du mal poncer l'arrière, mais bon, voilà. 99, 99, bon, bah, les steaks. J'ai le cache arrière droit, latéral, bien sûr, qui tient pas. Parce que j'ai, comment dire,
là où vous déposez votre selle, je vous le montrerai, là où vous déposez votre selle, il y a des attaches qui sont cassées. Bon, rien que le support plastique, JP, je sais bien que tu voulais me passer des pièces, mais non, c'est ce qui est sur la moto, reste sur la moto. Je voulais rien d'autre. Donc voilà. Donc, je fais avec. Oula, ma tête. Je fais avec. Donc, j'ai le cache qui ne tient que sur deux pattes au lieu de trois. Là où il y a oh, comment ça s'appelle ? Le boîtier fusible. Et alors, il y a un truc que je ne sais plus. Ah oui, donc deux, trois éclats de peinture, mais ça je le dis. Ce que j'ai dû faire, d'où le fait que mon garage est en bordel, le phare, putain, je bug aujourd'hui, c'est une catastrophe. Le phare arrière faisait déclencher les fusibles. Mais il n'y a pas que ça. Comment dire ? Il y a des fois, je roule et à un moment donné, pouf, fusible pète. Je dis bon, mise à la masse. Je regarde la mise à la masse, il n'y a rien. Ça se faisait que par intermittence. Bon, j'ai acheté sur Caca Express un porte-plaque. Je vous montre tout de suite ce qui reste de la lumière du porte-plaque. Je lui ai niqué sa mère. Voilà, donc il faut que je trouve une lumière pour le porte-plaque. Il est vraiment temps que je taille un peu cette broussaille. Donc voilà, allez, je vous explique un petit peu la moto. Bon, voilà, je vous filme en grand angle, hein, parce que en petit angle, mon garage n'est pas assez grand. Donc voici la bécane en elle-même, avec un bordel, ouais, ça c'est plus tard ça. Un bordel sans nom, hein, avec les vélos et tout. Voilà, et ouais, je vais vous le montrer ça après, ce que c'est. j'ai remis le phare d'origine, avec une nouvelle ampoule, voilà. Mon petit compresseur avec le klaxon. Alors, ceci, je vous explique. Bon, j'ai pas la pièce sous la main. Bien sûr, vous avez compris, ça c'est le filtre à air. Voilà. C'est quoi cette vis? Je vous explique. Là derrière, j'ai mis une vis avec un écrou. J'ai remis une rondelle avec un écrou. Je démonte l'écrou et la rondelle. Je lui mets un cache en plastique rond. Je resserre la vis. Au cas où il y a eu des grosses pluies et que pour pas qu'elle boive de l'eau, quoi. Tout simplement. Alors, le cache que je vous parlais, c'était ça. Donc voilà. Donc voilà. Et hop là, voilà. Bon. Ça pendouille. Donc. Bah, je peux pas le faire avec mon bras gauche parce qu'il me fait horriblement mal. Donc voilà ce que ça fait. Voilà, normalement, ça doit remonter. Mais bon, là, j'ai une attache qui est cassée. L'échappement, bah, la peinture, là, c'est carré à l'arrière. Deux, trois pets là, mais bon, ça, c'est pas grave. Les chromes tiennent. La peinture de mon moteur tient. Et alors, je ne sais pas si ça se verra en grand angle. Mais bon, voilà, la peinture, on voit vraiment des nuages de dingue. Bon, ça, c'est aussi à cause que l'essence coule. Je me bats les couilles, je n'y suis jamais. Là, j'ai une belle griffe. Le premier jour que j'ai sorti la moto, sac bandoulière, crac ! Allez ! Alors, le phare d'origine, et c'est juste ça. Ouh, je vais me casser la gueule. Voilà, juste ici. Ben là, il y a un petit phare, un petit rond avec un phare. Oh, je l'ai arraché parce que voilà, et je lui ai coupé bien sa mère comme il faut. Et je refais toute l'électricité aussi parce que ça bloquait. Voilà, et ça aussi. Alors, vous allez rire. Donc, tac, j'allume, je vais pas l'allumer. Donc, je mets mon feu de position, ok, feu de croisement. Voilà, j'ai tourné le guidon. Il y a des pertes, hein. Il y a des pertes. Parce que là, je vais mettre mon grand phare, clac, il y a des pertes. Et alors, le phare, donc le feu de croisement, c'est une catastrophe. Le grand feu, ça va, mais le feu de croisement, c'est une vraie catastrophe. Donc, je vais encore avoir un petit problème dans ce petit côté-là, mais sinon, ça tient.
J'allais dire ça tient le pavé, mais non, ça tient pas le pavé, ça. C'est une savonnette comme bécane. Mais voilà quoi, elle avait 57 000 km quand je l'ai remise en route. Voilà. Ouais, vous voyez, hein, je vous mens pas, il va être minuit. Alors je pense que comme. Allez. Comme travaux dessus, ça va être fini. Juste qu'il me reste encore à mettre ma petite sacoche en cuir que j'ai enlevée. Bon, le bordel, il est là. Voilà la petite sacoche avec l'insigne Shadow dessus. Ça, je vais l'installer que l'année prochaine. Et là, je dois refaire, ouais, je dois refaire la peinture parce que ça s'est écaillé. Quand j'avais mon ancien phare, parce que le phare qui était là, encore cette Shadow, elle a eu trois phares. En premier, elle a eu un phare avec deux optiques ronds qui n'éclairait rien. Puis, elle a eu ce phare-là. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est le phare de la CBR 250, bien sûr. Tac, voilà. Qui l'aide au calme, branchement rapide, bum bum bum, transformateur modifié, tac, pour une meilleure présentation sur le tableau de bord, enfin le tableau de bord, oh là là, l'établi qui est en bordel depuis 3 jours, mais je n'ai pas le courage. Là, c'est deux pièces en veux-tu en voilà. Mais sinon, voilà, ça se concrétise, ça se concrétise. Il restera donc à faire cet hiver, sûrement un pneu arrière parce que je fais beaucoup d'autoroutes et c'est des pneus super tendres, donc ben enfin super tendres, trop tendres à mon goût. Donc un pneu je le bouffe en 7000, 8000 km grand max. Les joints spi, j'ai mis ça parce que ça c'était déjà de base quand je, enfin moi je l'ai acheté et puis je lui ai installé le petit foulard, je lui donne un petit look. Je vais lui refaire les joints spi et l'huile dedans parce que je crois que c'est l'huile d'origine encore, il me semble. Je l'ai jamais fait, je devais le faire. Bon. Roulement de colonne de direction, des nouveaux, donc il va falloir que je fasse avec une presse. Ça va être marrant. Sûrement des caoutchoucs de thé de enfin, le bazar là, qui tient le guidon. La chaîne, c'est une nouvelle. Attendez, je suis en train de réfléchir. Ah oui, essayez de faire tenir mon repose-pied là, parce que. Hop. Quand je vais rouler, paf, il va sortir. Sûrement des nouveaux freins à l'arrière. Voilà quoi. Le frein à l'arrière, il est très loin aussi. Et un nouvel embrayage. Parce que quand je roule à deux avec madame, en montée, que je suis en cinquième et que je donne une grosse accélération, enfin, les gars, c'est 40 poneys. Hein. C'est 40 poneys qu'il y a là-dedans, donc voilà. Mais ça fait. Voilà quoi, faut pas que j'accélère trop fort. Pourtant, l'embrayage est bien réglé, il a été checké. Le câble d'embrayage a été bien réglé aux petits oignons. C'est juste les garnitures. Bon, voilà, tu vas me dire, elle va avoir 60 000 km. C'est encore l'embrayage d'origine. Je crois que la moto, quand je l'ai achetée, elle avait 17 000 km. Hein. Donc, ça devait sûrement être l'embrayage d'origine. Bon, moi, avec le démarrage en cirage et tout le bazar, voilà quoi. Ça ne l'a pas aidé. Voilà, tout ça pour vous dire que. Ben, le projet Shadow est presque terminé. Enfin, je pense, ouais, on va dire qu'il est terminé. Vous verrez peut-être de temps en temps une vidéo de daily. C'est très rare que je reprends ma caméra maintenant. Je roule de moins en moins avec la caméra. Allez, je peux faire 2-3 daily, mais bon, voilà, quand je roule moins. Donc, peut-être quand je vais me balader avec madame, faire des petits virolos avec de la musique, faire des souvenirs. Ouais, peut-être quand je vais faire l'entretien de la polo de ma femme, peut-être que je vais. Oh putain, le bras il fait mal. Peut-être faire des vidéos. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être marrant. Peut-être faire des vidéos du scooter, peut-être. On verra bien. De toute façon, voilà. C'était une petite vidéo blabla. Pour vous montrer un peu. Je suis pas mort. mais voilà. Il y aura beaucoup moins de vidéos. Qu'avant. Avant, c'était une par semaine. Là, je vais peut-être en faire deux, trois par an. Des fois, c'est peut-être zéro par an. Donc,
Non, j'ai plus trop le feu sacré. Non, j'ai plus trop le feu sacré, ça. Ça me casse les couilles de rentrer, de. Allez, maintenant il faut que je prenne les vidéos, Jésus pleut, blablabla, montagne. Ça me casse les couilles. Maintenant j'ai un nouveau passe-temps. Pas celui-là, là-bas, le noir. Vélo et la salle de sport. C'est le. Mes deux nouveaux passe-temps. Donc voilà. Allez les loulous. Bon, je vais prendre le téléphone de l'autre main, parce que ça, j'arriverai pas à le faire. Voilà. Profitez bien de vos vacances si je mets cette vidéo pour juillet encore. Profitez. Putain, il y a des trucs qui volent mon vue ici. Allez, sale pute. Profitez de vos vacances si je mets cette vidéo pour les vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, profitez de votre travail. Si vous avez du travail ou de votre chômage ou ce que vous voulez, faites ce que bon vous semble du moment que vous êtes heureux. Roulez prudemment sur la route, que ce soit n'importe quoi, hein. Même en roller ou à pied, faites très attention sur la route. On n'a qu'une vie, les gars. Pensez à vos familles, hein. N'oubliez surtout pas ça. Et sûrement une prochaine, mais qui sait, j'aurai peut-être un bazar ainsi ou je serai rasé. Allez, tchuss les petits loups et ride safe. Ouh, l'accent de merde.